On est exploitant agricole depuis 20 ans pour mon mari. On a un fils unique de 17 ans, Alexis. On a trois filles. Moi, je suis agriculteur et Corinne est éthiopathe. J'ai connu l'action du Secours catholique en tant qu'accueil, tout simplement chez l'opticien. Il y avait une affiche. Et puis j'ai appelé par curiosité pour avoir des renseignements. Il y avait une famille sur Percy, Hélène Pacari, qui accueillait des enfants. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire comme elle, ça a l'air d'être chouette. La première réunion où j'ai assisté, c'était plein de familles qui témoignaient sur ce qu'elles avaient vécu. Et là, ils nous ont présenté les nouvelles familles qui voudraient accueillir. Ils nous ont dit, vous êtes toujours partants pour accueillir. Bah nous, bah oui, pourquoi pas. Et puis voilà, ça s'est fait. 15 jours après, ils nous attribuaient les dossiers. J'accueille Linda. Chaque vacances scolaires, autant que les parents me le permettent, me l'autorisent. Ça fait 3 ans qu'on accueille des enfants ici. Ici à la maison, c'est toujours porte ouverte, il y a toujours énormément de jeunes, les voisins, les amis, la famille, tout le monde vient. Pour moi, ça ne suffit pas. Donc c'est vrai que Linda comble un vide pour moi qui n'ai pas pu avoir de deuxième enfant, quoi. J'ai eu Linda pour la première fois une semaine l'année dernière, au mois de juillet. Ensuite, je l'ai eu une semaine aussi pendant les périodes de vacances d'Halloween. Et j'ai eu aussi une semaine pendant les périodes de vacances de Noël. Il est là, ma chambre. Et moi, par rapport à mes enfants, ce que je voulais leur montrer, c'est que nous, nos enfants, ils sont quand même, comme je vous dis, nés dans du coton, la belle vie. Et savoir qu'il y a d'autres enfants qui vivent des choses difficiles, moi, je trouvais que c'était important. Pourquoi pas partager ça avec des enfants qui n'ont pas cette chance, qui prennent jamais de vacances. Et voilà. Et après, ils ont eu le souhait que ce soit que des filles. Parce que le Secours catholique, ils ont beaucoup de petits garçons. Et moi, je dis, bah, j'ai 3 filles, j'aimerais bien des filles. C'est pas tant leur multiplier les activités qui est important. C'est d'avoir un rythme de vie, de cuisiner ensemble, de faire plein de choses ensemble, partager. Elles vont à l'église pour regarder comment est fabriquée une église, comment pour écouter les chants, c'est une ouverture d'esprit. Je leur demande pas de prier ni d'avoir la foi, évidemment que non. Mais voilà, nous, ça fait partie de notre semaine. Et donc du coup, j'avais envie de leur proposer ça. S'ils ont besoin de parler, de venir discuter, il faut avoir un peu de temps pour eux quand même. Aujourd'hui, on a fait la piscine, on a été aller au pool, on a fait plein de choses. Moi, ça m'enrichit personnellement. Eux, je sais pas, j'espère. Moi, ça m'apporte beaucoup de plaisir. Et puis, je me sens, par rapport à Linda, je me sens utile. Je sais que le temps qu'elle est là, elle vit d'autres choses, elle voit d'autres choses, elle voit énormément de monde. Qu'on a besoin de savoir pour accueillir des enfants, c'est si ça va convenir avec notre mode de vie. Parce que nous, en tant qu'agriculteurs, donc il y a des chevaux, il y a des gros animaux, les vaches, il y a les cochons, il y a les poules, les chats, chiens, etc. Donc nous, il fallait surtout pas qu'elle ait peur des animaux. Mais après, sorti de ça, on n'a pas besoin de savoir grand-chose. Peut-être qu'eux, ils sont un peu cabossés, accidentés. Enfin, ici, c'est peut-être quelque chose de fixe, quelque chose de plus stable. Super. Nickel. La balade à cheval, c'était bien. C'était même plus que bien. J'aimerais bien y remonter. On n'a pas les mêmes règles, mais elle s'adapte tout à fait. Après, ça peut être les heures de coucher, ça peut être le nombre d'heures passées sur les écrans. Ici, il y a très peu d'écrans parce qu'on est beaucoup de nature. Il suffit d'instaurer les règles dès le début et ça se passe très bien. Non, je vais laisser les faire. Le Secours catholique est présent dans le sens... il nous appelle pour savoir comment ça se passe, tout simplement avec Linda ou avec les parents. Moi, je passe les prix, d'accord. Elle passe la bénévole, elle nous passe un coup de fil pour savoir comment ça se passe. Elle nous a appelé il y a 3 jours pour savoir comment ça allait en s'excusant. Oh, je vous ai complètement oublié. Pour Linda, ici, c'est, tu penses à un équilibre, à un endroit où souffler, un endroit de vacances, tout simplement. Un endroit où elle se sent bien, où elle est la princesse. C'est tata, tonton,
Avec Alexis, du coup, c'est limite une relation comme un grand frère. Un grand frère, une petite sœur pleine de vie. On va dire ça comme ça. Milly, elle nous disait qu'elle avait fait un album photo et qu'elle pensait à nous toute l'année. Sa maman me l'a redit sur les textos. Donc, elle pensait souvent à nous. Bah, c'est chouette. Non, c'est... Fatigant, mais chouette. Non, faut faire comme avec nos propres enfants. Ouais. Faut être avec eux comme avec les nôtres. Prendre les gosses, c'est pas le souci, mais c'est de savoir les occuper. Savoir les occuper, autrement, bah, à cet âge-là, c'est plein de vie, c'est normal. Et puis, bah, surtout, pas être trop maniaque de sa maison, de les emmener partout. Faire comme si c'était nos gosses, tout simplement.